Ah oui, vas-y, comme ça. Allez, viens sur moi, chérie. Ah, je te vois bien l'amour toute la journée. Ah, ah oui, comme ça. Ah, je vais jouer. Ah oui, continue, continue. Ah oui, continue. Oh, oui. J'en peux plus, moi. Le dîner. Je vais préparer le dîner. Je vais préparer le dîner, oui. Oui, c'est ça, le dîner. Vas-y. Oui, oui. Oh. Oh. Il faut que j'y aille. Il dit qu'il m'avait juré qu'il n'y avait personne d'autre, mais oh, il a brisé notre mariage, oui. Oui, voilà ce qu'il a fait. Moi, tout ce que je voulais, c'était un gentil mari. Juste un gentil mari. Une famille, oui. Gentille famille. Ah, il me faut des épices. Oui, des épices. Bénis ce repas que nous allons prendre. Amen. Faut savoir ce que c'est que cette merde. Du poulet aux champignons parfumés. Du poulet aux champignons parfumés, hein. Ah là là, toi et tes recettes abracadabrantes. Je ne crois pas que ce soit le moment de discuter recettes de cuisine, Ralston. Je me fous du moment, je me fous de ce que tu penses et je me fous de tout ce bordel. Le seul truc, c'est que d'être l'héritier de cette pétasse de tante Lydia, bah finalement, ça a payé. Ne parle pas de ma famille de cette façon. Et encore moins des morts. On les rejoint parfois plus tôt que prévu. T'as raison. Faut respecter la vache à lait. Elle nous lègue tout un immeuble dont on va toucher les loyers. Nous, on est là, et puis... tous ces connards qui vont nous balancer leur chèque chaque mois qu'on n'aura plus qu'à dépenser. Hein? Devine ce que j'ai vu tout à l'heure. J'en ai rien à battre. Je t'ai vu chez cet employé de la banque, Luan. Je t'ai vu le faire avec elle. Fallait bien que tôt ou tard tu saches comment des gens normalement constitués font l'amour sans être coincés. Luan, elle sait ce qui fait vraiment plaisir à son homme. Ah, bah ouais. Ah ouais, c'est comme ça. Tu veux que je te dise? Les seuls mecs qui s'intéressent encore à toi, c'est les vieillards de la maison de retraite parce que tu leur changes leur couche. Tu sais pas la chance que t'as de m'avoir. Oh, je me sens tout bizarre. Ah, c'est ce poulet. Bordel, j'ai l'impression que je vais exploser de l'intérieur. En fait, ce n'était pas du poulet, mais du crabe. Du crabe? Ça m'est interdit, tous les crustacés. Je sais que tu es allergique. Et alors, tu le sais bien. Ah, t'es vraiment bonne à enfermer. Ah. Où tu l'as mis? Où t'as mis ma seringue? Où t'as mis mon injection? Où t'as mis mon injection? Je vais crever si je vais pas à Nantes. Je le sais bien. Où est le téléphone? Où est le téléphone? Je l'ai caché. Où il est? Si je dois mourir, tu vas crever avec moi. Où t'as
t'appelles une ambulance ou je te jure que je vais faire péter ta sale face, Dora. J'ai retiré les balles, tu n'as qu'à vérifier. Rappelle-toi de Luan, rappelle-toi d'elle parce qu'elle va être la dernière pute avec qui tu auras baisé avant d'aller en enfer. Ah, je t'y retrouverai un jour ou l'autre. Et dire que j'ai pu croire à un moment que j'avais rencontré l'homme de ma vie. L'erreur est humaine. Mais je sais qu'il doit être quelque part. Je sais qu'il m'attend. Et que tous les deux, on formera une vraie famille. Une vingtaine de kilomètres de bouchons qui ne devraient pas s'améliorer avec le temps. D'après les autorités, il faudra bien 2 heures avant qu'un trafic normal puisse être rétabli. En attendant, nous conseillons d'emprunter la nationale 10 avant Santa Monica, qui reste pour l'instant. Oui, madame, je ne paye que la moitié de mon loyer en échange des travaux d'entretien de l'immeuble. C'est un accord que j'ai passé avec Justine. Donc si vous avez quoi que ce soit qui ne marche pas, Pepper le répare. Attendez, laissez-moi vous aider, je m'occupe de ça. L'immeuble a quelques ennuis côté tuyauterie depuis le tremblement de terre, mais rien d'important. Mais ça fait partie de son charme. Et du charme, Dieu sait s'il en a. Il faut que je téléphone à Ralph. C'est une erreur de votre contentieux. Écoutez, j'ai pas envie de plaisanter. Hey! Désolé, Tyson est très occupé. Bye. Ça, tu vas me le payer. Oui, bah commence par te faire payer ce qu'on te doit avant de penser aux autres, d'accord? Je préfère vous avertir qu'au moins une fois par mois, il faut qu'on appelle les flics pour qu'ils viennent les séparer. Ce sont des broquignoles. Allez, je vous montre où est l'appartement de Lydia. Ah, la plupart de ses affaires ont été descendues à la cave, si vous avez besoin. Mais attendez, je vais vous l'apporter. Ah, Laurence, j'aimerais vous présenter Mélanie. C'est moi, la nouvelle propriétaire. Eh bien, je suis ravi de vous connaître. Vous êtes très jolie, on a dû vous le dire. Je vous remercie. Nous ferons plus ample connaissance, j'espère. Ah, madame Inès, Justine voudrait vous voir pour votre dernier loyer. Oui, je sais, je lui referai un chèque. Vous feriez bien d'y penser aujourd'hui, on n'est pas l'armée du salut ici. Ça, c'est madame Inès, elle paye régulièrement son loyer avec des chèques en bois. Oh, je m'excuse, je ne vous ai pas fait mal. Ça va? Oui. Ça va? Oui, oui. Je suis vraiment désolé. Oh, les jolis dessins. Vous avez des enfants? Non. Enfin, disons que je m'occupe des enfants des autres. Des orphelins, vous voulez dire? Non, non. Je travaille pour les services sociaux. Quand les parents ont des problèmes, les enfants en ont aussi, alors ils appellent. Et on aide toute la famille. Ah, les familles. Eh oui. Je me présente, Mélanie Leroy. Enfin, je veux dire, Mélanie est dad. Et j'ai hérité de cet immeuble quand ma tante Lydia... Moi, c'est Patrick Forman. Soyez la bienvenue, Mélanie. J'habite l'appartement 303. Je suis affreusement en retard, veuillez m'excuser. Pepper, la douche fuit de nouveau. Mais elle fuyait pas hier, j'ai vérifié. Hier, c'était hier. Enchanté de vous connaître. Ah, oui. Vous voyez, c'est pas le travail qui manque ici. Mais il a l'air charmant, ce jeune homme. Mais il l'est. J'aimerais pouvoir vous en dire autant de la fille qui vient le voir régulièrement, mais... Ah, vous êtes juste à côté de Justine. Mademoiselle Welch est la gérante de l'immeuble depuis que Lydia a fait sa première attaque il y a 5 ans. Eh ben, vous voilà chez vous. Au fait, Justine a dit qu'elle allait passer un peu plus tard pour discuter avec vous des affaires courantes. Et moi, il faut que j'aille vérifier un problème électrique au sous-sol. Et ensuite, il y a cette bon Dieu de douche qui se met à fuir chez Monsieur Forman, et puis voilà. Monsieur Pepper. Et madame. Si vous jurez encore une fois devant moi, vous irez vous loger ailleurs.
C'est très coquet. Oh, c'est vraiment, vraiment magnifique. Ah, Madame Leroy, Justine Welch. J'aurais bien aimé pouvoir vous accueillir, mais j'avais une tonne de courriers à finir. Ce qui est normal quand on s'occupe de la gestion d'un immeuble. Auriez-vous l'obligeance de m'appeler Dad, puisque j'ai repris mon nom de jeune fille? Comme vous voulez. Madame... Mademoiselle Dad, installez-vous tranquillement, et si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas. Vous n'avez qu'à me sonner. J'habite juste à côté de chez vous. Mademoiselle Welch, j'aimerais avoir les clés ainsi que les contrats de location que vous avez, afin que je me mette au courant. Les clés, les contrats? Aucun problème. Je vous les prêterai. Ah oui, juste prêter? Il faut que je les récupère au plus vite. Depuis que votre tante Lydia a eu sa première opération, c'est moi qui fais marcher cette maison et je vous assure que je ne laisse rien passer. Je recommence à zéro. C'est le début d'une nouvelle vie. Ralston. Ralston, je suis heureuse que tu sois mort. Parce que je ne crois pas que tu te seras entendu avec Monsieur Foreman. C'est un vrai gentleman. Il aime les enfants, la famille. Ce n'est pas un pauvre type comme toi. Ah non, pas comme toi. Pepper! Pepper! Est-ce que vous êtes là? Chère tante, je ne vous savais pas à ce point conservatrice. Monsieur Pepper? J'en ai pour une minute. Ils sont perdus sans notre aide. Oh, je m'en doutais. Il adore sa famille. Oh, excusez-moi, madame, que puis-je pour votre service? Monsieur Pepper, si vous avez un moment, est-ce que vous pourriez venir jeter un œil dans ma cuisine? Avec plaisir, ouais. Oh, et puis, il y a des affaires dans une malle de ma tante Lydia que je voudrais trier. Vous pourriez me la monter? À votre service. Il faut tout de suite le faire tremper pour enlever la tache. Il sera content que je lui rapporte ce compte-rendu. C'est fini, je prends plus rien. J'ai même été m'inscrire pour un boulot au centre commercial. T'as arrêté les antidépresseurs? Fais voir ton sac. Pourquoi? Non, fais voir, je veux juste te voir. C'est quoi ça? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça sert à quoi que tu me baratines? J'en ai marre de tous ces bobards, j'ai envie que ça finisse une fois pour toutes. Écoute, laisse-moi une dernière chance. Non, arrête, tu as déjà eu plusieurs chances et tu as remis ça à chaque fois. Veuillez m'excuser. Tu devrais y aller. Je garde les gosses de Misty ce soir. Téléphone-moi. J'ai retrouvé ceci juste devant la porte d'entrée. Patrick! C'est bien le week-end prochain, la dernière partie avec ton équipe de baseball. Ouais. Est-ce que je pourrais venir t'encourager? On reparlera plus tard de tout ça. Comme tu veux. J'attends ton coup de fil. Je suis désolée de l'avoir lu, mais je ne savais pas si c'était important. Ça a dû être terrible pour cette Jenny Hagen, ce qui lui est arrivé. Comme c'est triste pour une femme de se voir retirer la garde d'un enfant. C'est dur.
Ouais, je sais, mais vous savez, il arrive souvent que les familles d'accueil aient de gros problèmes avec les enfants. Non, c'est pas ça, je voulais parler de cette jeune fille. Ouais, c'est très dur. Vous aimeriez peut-être que les choses soient différentes? Que voulez-vous dire par différente? De quoi vous voulez parler? D'honnêteté, de stabilité. D'un avenir avec quelqu'un de bien. Je croyais vraiment que j'avais tout ça. Avec Lise. Au début, mais... Enfin... À propos, vous vous êtes installée? Je me suis installée, ça y est. Bien. Vous êtes très gentille. Et merci encore pour merci le à vous. Jenny. Bonsoir. Bonsoir. Il est pour moi. Déjà très intime avec Monsieur Forman, je vois. Mais qu'est-ce que vous faites ici? Vous m'avez réclamé les dossiers, Madame Leroy. Merci. Pourquoi vous avez une porte qui donne dans ma chambre? Après la deuxième attaque de Lydia, j'ai décidé de la faire installer. Je pouvais ainsi plus vite intervenir en cas de besoin. Je suis toujours très efficace, Madame Leroy. J'aime bien aider les gens qui sont dans le besoin. C'est un sentiment un peu plus noble, mademoiselle. Mais je ne suis pas Lydia et dorénavant, vous frapperez à la porte avant d'entrer chez moi. Et à la porte d'entrée. Je connais cet immeuble, vous savez. Vous, non. Je le connais aussi bien que vous. Et en plus, j'en suis la propriétaire. Et à partir de maintenant, je vous interdis de fumer dans mon appartement. C'est horreur qu'on me prenne pour une bonne à rien. Tu sais, je ne le tolérerais pas. Oui, bien sûr, la Mélanie, quand elle s'appelait le roi, on avait un peu trop tendance à la prendre pour une bonne à rien, c'est vrai. Mais en tant que Mélanie Dad, ça risque plus d'arriver. Café, farine, cirage marron. Oh, qu'est-ce que j'ai encore oublié? Ah, du désodorisant. Hé, hey, bonjour. Ah, bonjour. Alors ça va, pas trop dépaysé? Eh bien, c'est la première fois que j'habite un appartement et c'est tout petit par rapport à la maison que j'avais. Vous verriez ma boîte à chaussures. Et j'ai beau demander à Justine un appartement plus grand, je la sens pas décidée à faire quelque chose. Je vous garantis que si un appartement vient à se libérer, je vous préviendrai. Comptez sur moi. Ça me ferait très plaisir. Bonne journée. Vous aussi, merci. Pour moi, elle va être bonne. Dégueulasse, avec un D majuscule. Un de nos habitants a trouvé la mort dans de bien étranges circonstances. Son contrat de mademoiselle Justine Welch. Aucun loyer n'a été payé depuis le... Voilà pourquoi elle ne voulait pas que je voie tous les contrats. Jeannette Leroy, oui? Je vous appelle de Los Angeles au sujet de la mort de votre frère.
Je ne pense pas que vous vous souveniez de moi. Moi aussi, je me souviens parfaitement de vous. Je suis sûre que c'est sa femme qui l'a tuée. Elle l'a empoisonnée. Vous croyez qu'elle aurait pu faire une chose pareille? Vous n'avez pas versé le moindre sou de loyer depuis 5 ans. Eh bien, cela va changer à partir d'aujourd'hui même. Mademoiselle Welch, c'est Mélanie Dad. Jeannette? Oui? On me demande, il faut que je vous laisse. Je suis contente d'en avoir parlé. Je sais, oui, moi aussi je suis très contente. Mais alors vraiment très contente. Au revoir. Au revoir. Il faut que je vous parle tout de suite, Mademoiselle Welch. Ouvrez-moi la porte, s'il vous plaît. Oui, j'arrive, Madame Leroy. Comment allez-vous, ma chère? Entrez. Je suis de mauvaise humeur, on le serait à moins. Encore un imbécile de coiffeur qui vous a raté votre brushing, je connais, ça me met dans les rages folles. J'étais en train de faire un thé, vous en voulez? Veuillez cesser vos bécasseries, Mademoiselle Welch. Je viens de vérifier les contrats. Il semble que vous n'ayez pas payé votre loyer depuis des années. Eh bien, d'habitude, la gérante ne paie pas de loyer. À partir d'aujourd'hui, la gérante de l'immeuble, c'est moi, donc vous paierez votre loyer comme tout le monde. Et juste une petite question, ma chère. Je vous écoute. De quelle façon votre cher époux est-il mort à Sunshine ou Nevada? La rumeur prétend que vous avez fait manger du crabe à ce pauvre monsieur Leroy, mais la police n'a rien pu prouver contre vous. C'est entièrement faux, on vous a raconté des histoires. Je me demande ce que monsieur Foreman pense de ça. Vous lui en avez parlé? Il n'y a pas de raison que Patrick soit au courant. Qu'il soit au courant de quoi? Que votre mari était allergique au crabe ou que son maillot de baseball a atterri dans votre chambre? Mais revenons à notre sujet de départ. On va faire un deal qui va nous arranger toutes les deux. Je ne paie pas de loyer et on en reste là. Et pendant que je travaillerai, vous ne ferez rien? Eh bien, disons que ce sera plutôt une petite contribution qui évite tout bavardage. Je refuse, Mademoiselle Welch. Quoi? Vous ne voulez pas de thé? Le chantage ne marche pas avec moi. Mais ça ne va pas, je n'ai pas l'intention de faire chanter qui que ce soit. Je vais juste téléphoner à monsieur Foreman. Je vous en empêcherai! Je vais tout raconter à Patrick et tout raconter aux locataires. Et vous vous retrouverez absolument seul dans un immeuble vide. Jamais vous n'oserez. Bah tiens, ce sera un plaisir de tout leur raconter. Je tiendrai ma langue à une condition, je ne paie plus de loyer. Vous dégagez de chez moi immédiatement ou je vais appeler la police. Se mêler des affaires des autres, c'est vraiment pas bien, Mademoiselle Welch. Ça crée souvent des tensions dans le voisinage. Mon petit gâteau au sucre. C'est ton hot pepper. J'ai des petites mousses pour nous. Christine, je suis tout émoustillé. Tu dois être dans ton bain moussant. Oh non, c'est pas vrai. T'es pas encore dans ton plumard, flemmarde. Bon, d'accord. Je vais me les boire tout seul, mes bières. Cet appartement était bien trop grand pour vous. Comme ça, c'est réglé. Mais c'est... c'est parfait, ça. Tim Bigophone quand il repasse dans le coin, d'accord? Bien sûr, tiens, à la prochaine. Vous voulez que je vous aide? Non. Je suis Mélanie Dad, la nouvelle logeuse. Ah, ouais, c'est vrai. La vieille est morte. Et à quoi dans ce sac? Du linge sale. Ça fait un sacré tas de fringues. Ah bah tiens, justement, c'est pas plus mal qu'on se voit. Vous êtes au 204 Venice Dorian?
J'ai lu votre dossier. Et alors, je dois plaider coupable? Mon nom vient pas de la plage, hein. Il paraît que ça vient d'une ville d'Italie, c'est ce qu'on m'a dit. Il faut que je vous dise, Mélanie l'héritière. Quand j'ai loué mon appartement, Lydia m'avait promis un nouveau canapé, une table basse et puis une lampe intime, vous voyez le genre. Je vous ferai changer ça au plus vite, d'accord? Il faut que je fasse ma lessive, excusez-moi. C'est cool. Vous fiche même pas la paix pour votre dernier voyage. Gratuit pour l'éternité, Mademoiselle Wedge. C'est sympa, non? Demain, les choses vont enfin pouvoir s'organiser dans le bon sens. Donc, vous allez installer la glace. Très bien. Oui, je me souviens que ce matin, vous m'aviez parlé d'un système anti-incendie avec une vidéo, je crois. Si ça fait tout ce que vous m'avez dit, ça m'intéresse aussi pendant que nous y sommes. Madame Dad, c'est Pepper. Il faut absolument que je vous voie. Que désirez-vous, Pepper? J'aimerais bien savoir si vous avez vu Mademoiselle Welch ce matin. Elle a décidé de partir en Floride. Une amie à elle est tombée gravement malade. Elle a dû s'en aller ce matin. Ah, ça, c'est drôle. Je savais pas qu'elle avait une amie en Floride. Je suis désolée, c'est tout ce qu'elle m'a dit. Elle m'a demandé aussi de mettre certaines de ses affaires en garde et de faire don de ce qui reste à une œuvre de charité. De charité? Mais vous savez comment elle est. C'est une femme qui a le cœur sur la main. Ils passeront demain matin. Mais elle s'est tirée sans dire au revoir ni rien. Eh bien voilà, tout est fini maintenant. Je vous remercie. De rien, madame. Attendez une minute. Merci. De rien, au revoir. J'ai hâte qu'il revienne pour pouvoir lui annoncer. Je pense que ça lui fera plaisir. Oh, mais où je vais mettre ce truc, moi? Monsieur Foreman, c'est Mélanie. Bonsoir. Devinez, Monsieur Foreman, qui va bientôt avoir un nouveau et très grand appartement. Oh, vous rigolez? Waouh, vous avez fait super vite, c'est lequel? Le 203. Le 203? Mais c'est celui de Justine. Elle nous a quittés pour la Floride hier dans la matinée. C'est un grand appartement. Oui, et en plus, il vient d'être fait entièrement à neuf. Vous emménagerez ce week-end. Oh, c'est très très gentil, mais très gentil, je vous remercie. J'adore faire plaisir aux gens. Bonsoir. Bonsoir. Mais arrêtez, Mélanie, vous me gênez.
Je vais déménager le reste de mes affaires tout seul. Merci. Quand les locataires sont enchantés dans un immeuble, le propriétaire ne peut que l'être aussi. Et c'est mon cas. Vous en avez fait assez. Ça sent bon le mal. Oh, cet appart est splendide et je vous en suis très reconnaissant. Mais je n'ai fait que mon travail, tout simplement. Ah oui, et c'était aussi celui de Justine, elle s'en fichait totalement, mais vous... Vous êtes la meilleure. Il m'a embrassée. Il m'a embrassée. Et il a dit que j'étais la meilleure. Bon, alors, canal 3, comme c'était indiqué. C'est merveilleux ce qu'on peut faire par amour. C'est mignon. On dirait encore un petit garçon. Déjà le joli visage de notre premier garçon. Toujours à vouloir embêter sa maman parce qu'il veut lécher le fond de son bol comme un toutou. Et il y aura aussi sa sœur. Elle est jolie comme un cœur. Elle est en train de peigner sa poupée avec un soin très attentif, comme une coiffeuse professionnelle. La famille Forman. De toutes parts, les gens parcourront des kilomètres juste pour nous voir. Patrick, c'est Lise. J'appelle pour te dire que j'ai eu un rendez-vous pour le boulot au centre. Oh, et puis je suis toujours partante pour t'aider à organiser ta petite soirée. Rappelle-moi, je t'aime. Et puis je suis toujours partante pour organiser ta petite soirée. Cette petite carte ne va pas me faire de l'ombre, non. Ça, il n'en est pas question. J'imagine peut-être qu'elle va remettre le grappin dessus. Ah, non, 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 non. Message effacé. Oh, wow. Un diplôme de ton collège. Il y a tellement de choses que je ne sais pas sur toi. Tellement de choses. Écoute, j'ai fait ces chèques pour manger. Je devais payer la facture d'électricité ou alors il serait venu couper. Je sais, je sais. Je suis une mère avec un môme, sauf pas une criminelle. Sauf que faire des chèques qui sont sans provision, c'est interdit par la loi. Tu le sais très bien. Alors écoute, Jenny. Tu as payé ta dette à la société. T'as trouvé un job. T'as jamais raté un pointage pendant ta liberté surveillée. Et en plus, tu t'es toujours bien conduite. Est-ce que cette conduite si exemplaire va me permettre de récupérer mon fils bientôt? T'as un briquet? Non. Oh, merde. Bon, très bien. Écoute. Cody, tu vas le récupérer. D'accord? T'as ma parole. Ben, je l'espère bien, Patrick. Je l'espère de tout mon cœur. Oh. Oh, il est mignon à croquer. Avec sa fossette.
Qu'est-ce que je fais encore ici à cette heure? J'arrive tout de suite. Une petite minute. Un petit quelque chose pour vous remercier encore une fois de votre gentillesse. Oh, il est somptueux, votre petit quelque chose. Patrick, Pepper m'a dit que tu avais déménagé. Alors, tu es content de ton nouvel appart? Il est plus grand? Ouais, il est génial. Et qu'est-ce que tu viens faire ici? J'espérais que tu allais me féliciter. J'ai eu le travail. Ah, je ne t'ai pas présenté. Mélanie est ma nouvelle propriétaire. Et voici Liz. On s'est croisés une fois, je crois. Oui, je crois. Et encore merci. Elles sont magnifiques. Bonsoir. Ça. Des fleurs pour sa petite propriétaire. T'es toujours aussi charmeur. T'aurais pu au moins m'appeler avant de venir. Je t'ai appelé cet après-midi. Je t'ai laissé un message qui disait que j'étais embauchée et que je t'aiderais pour ta fête. Je comprends pas, il y avait rien sur le répondeur. C'est bizarre. Tu n'as rien à faire chez Patrick. Je me sens de mieux en mieux, tu sais. Je fais de la marche tous les jours. Et je commence mon travail la semaine prochaine. Écoute. J'ai tout arrêté, j'ai rien pris depuis l'autre soir. Ça a été super dur, tu sais, mais je voulais te prouver que j'en étais capable. Patrick, est-ce que t'es fier de moi? Ouais. Ouais, je suis très fier. Tu vas pas croire cette fille. C'est bien ce que tu voulais, non? Et tu n'es pas fier de moi? Tu ne penses pas à moi? Oh, est-ce que c'est bon? Ça faisait tellement longtemps que tu m'avais pas serré dans tes bras. Ah non. Il faut que j'empêche ça. C'est quoi cette alarme? Mais non, il n'y a pas d'alarme. Allez voir quand même. On sait jamais. Hey, mais qu'est-ce qui se passe? C'est une fausse alerte, pas de panique. Ça doit être les gosses du quartier qui se sont amusés à déclencher la sirène. Vous parlez d'une blague. Désolée de vous avoir dérangé. Non, c'est rien. Bonsoir. Bonsoir. Je dois aller au cours d'espagnol maintenant. Oui, je sais. Alors, monsieur l'entraîneur Forman, je pourrais venir t'aider à organiser ta petite fête après le match? Ouais. Oui, bien sûr. Vers quelle heure ça t'arrange que je vienne? Je vais te donner la liste des courses. Tu les ramènes ici vers 2 heures. Ça te laissera le temps de tout préparer. Tu me téléphones pour la liste? Bien, chef. Patrick, je vais pas encore la laisser te faire du mal. Que je m'organise pour la petite fête.
c'est? C'est Mélanie, la propriétaire de Patrick. Et vous êtes là pourquoi? Je voudrais vous parler de vous et de Patrick. C'est important. Je peux entrer? Merci. Oh, c'est très mignon ici. C'est vraiment très joli. Qu'est-ce qui se passe? Je viens d'avoir une longue conversation avec votre ami. Il ne veut plus vous revoir. Quoi? Vous vous trompez, je crois. Non, non, je vais vous expliquer. C'est pas difficile. Nous allons faire un petit jeu. Vous aimez ça, les jeux? Vous avez suffisamment joué avec Patrick. Je m'assieds un instant. Il est hors de question que vous remettiez les pieds chez nous parce que ça contrarie nos projets. Vos projets? Oui, oui, mais d'ailleurs, vous allez m'aider. J'ai besoin de savoir deux, trois petites choses sur le rapport des hommes avec les femmes. Vous voyez ce que je veux dire? Attendez, c'est une plaisanterie? Pas du tout. Allez, répondez à la première question. Quel est le plat cuisiné dont Patrick raffole? Oui, moi je trouve qu'il est important de connaître un petit peu la personne avant d'envisager le mariage. Parce que vous... Oui. Une femme doit savoir ce que son mari adore et ce qu'il déteste. Son mari? Non, pas question, désolée. Quoi, pas question? Si vous ne répondez pas tout de suite à la première question, je vous jure que j'appuie. Et si vous répondez correctement, après vous serez libre. Allez. Bon. Bien. Son plat favori, c'est les crevettes, et puis... Sa musique favorite, c'est... Ça a été quoi? Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? C'est un groupe de jazz qui vient de Louisiane. Bon, d'accord. Chut. La suite. Pas de commentaires. La numéro 6, je sais pas quoi répondre. Franchement, je connais pas son dessert favori. Dessert, j'ai mis dessert. Je me fiche de son dessert. Ah bah alors, dessert, ça prend deux S. Bon, qu'est-ce que c'est? Le Sahara. Et son dessert, lequel c'est? Les beignets. Oui, mais à quoi ça ressemble? C'est comme des donuts, c'est saupoudré de sucre. J'ai fini. Lui et moi, ça fait un moment que ça va plus. J'aurais bien aimé casser, mais j'avais peur de lui faire du mal. C'est un garçon si gentil. Oui, je sais. Il est encore plus que ça. Je souhaite que ça marche pour vous deux. Oui, mais il y a juste un problème. Lequel? Vous me mentez. Vous allez essayer de vous remettre avec Patrick à la première occasion, avouez. Non, c'est fini. Vous savez que ça le perturbe infiniment, que vous soyez toujours cramponné à ses basques. Alors, je vais vous donner le choix. Vous allez avaler ces pilules qui sont des somnifères, vous connaissez. Ce sont ceux que mon mari prenait. Ou bien, je vous tue et je maquille sans cambriolage. Vous aviez dit que je serais libre si je répondais correctement. Mais vous allez être libre puisque vous allez faire le grand voyage. Mais c'est inutile, je vous assure. Jamais plus je ne le reverrai, jamais plus je ne passerai un coup de fil. Vous mentez, j'en suis certaine. Croyez-moi, je peux vous le jurer. Chut! Avalez-moi ces pilules. Vous voulez vodka ou bourbon? Vous devez préférer la vodka, hein? Ça passera tout seul. Avaler? Je n'y arriverai pas. Mais si, ça va aller. C'est insensé. Eh bien, je vais vous tirer dans l'estomac. C'est très douloureux, d'après ce qu'on dit. Vous perdez doucement votre sang et l'hémorragie à terme. Bon, d'accord.
prenez-en. Ne faites pas exprès de les recracher. C'est bien. Vous allez avaler toutes vos pilules, mademoiselle. Oh, pour l'amour de Dieu, faites un effort. Votre mère ne vous a pas élevé comme il fallait. Allez, allez, avalez. Avalez tout, mademoiselle. On ne vous a pas appris à finir votre plat. Regardez, j'ai fini mon verre. Pourquoi vous me forcez à prendre ça? Allez. Vous allez juste vous endormir, plonger dans un très doux et très profond sommeil. Finissez vos pilules. Nouvelle-Orléans est le lieu de vacances qu'il préfère. Oh, je me sens comme revivre. J'ai l'impression de me sentir comblée. Pleinement comblée grâce à toi. Toi, tu ne m'as jamais comblée à ce point, le roi. Bien qu'en tant qu'épouse, tu étais la moindre des choses. Jamais. Madame Dahl, vous êtes là? Oui, j'arrive. J'arrive. Qu'est-ce que vous désirez? J'aimerais avoir l'adresse de Justine en Floride. Je voudrais savoir si tout va bien. Je l'ai pas sur moi, je vous la chercherai, mais là... Vous devez sûrement vous rappeler du nom de sa copine. Marie. Marie Smith. Et vous vous rappelez du nom de la ville? Miami, oui. Je pense que c'était Miami. Bon, excusez-moi, mais je suis en retard maintenant. Il faut que je vous laisse. Au revoir. Franchement, je crois qu'elle doit avoir un petit grain. Bonjour. Tiens, notre logeuse. Est-ce que vous pourriez... Vous pourriez me tenir ça une seconde? Merci. Bien sûr. Je vous remercie. De rien. C'est encore Patrick. Il est 2 heures, qu'est-ce que tu fous? J'espère que tu vas pas me laisser tomber au dernier moment. C'est toi qui t'étais proposé pour venir me donner un coup de main. Alors je compte sur toi, d'accord? Et les enfants aussi comptent sur toi. Ouais, je vois que c'est toujours pareil. On peut pas te faire confiance. Bonjour, cher voisin. Salut. Ça va pas? Oh,
Non, pas vraiment. L'équipe de jeunes dont je m'occupe jouait pour la dernière fois ce soir. Et moi, je leur avais promis d'organiser une petite fête avec l'aide de Lise, sauf qu'elle m'a laissé tomber. Oh, ça serait triste de décevoir ces enfants. En quoi je peux vous rendre service? Non, non, je vous remercie. Je vais improviser. Je vais vous faire quelques sandwichs, style jambon, fromage ou crudité, beurre de cacahuète, et assiette de carottes et branches de céleri avec, bah, disons, un dessert, une mousse au chocolat. Il y a une vingtaine de gosses et je dois être prêt à 5 heures. Mais j'ai tout ce qu'il faut ici, Monsieur Forman. Et je peux vous organiser votre petit buffet, si vous voulez. Vous feriez ça? Ah oui, ça serait vraiment sympa. Je vais aller acheter un peu de chips, des boissons gazeuses, et on se retrouve ici à 5 heures. Et encore merci, là, vous mériteriez franchement la médaille d'or. La médaille d'or, non. C'est l'anneau d'or qui m'intéresse, Patrick. Et je vais la voir. Un jour ou l'autre, tu découvriras que ta Mélanie est la reine de l'organisation. C'est quoi, ça? Elle a pris ma jupe à la place de la sienne. Vénice, je crois qu'on s'est trompé de sac dans l'entrée. Vénice, si vous êtes là, répondez. Sur le répondeur du plaisir, laissez un message et Venice pourra satisfaire toutes vos envies. Ouais, salut, c'est Cosmos. J'ai un peu de temps et d'argent à perdre. D'accord, ma belle? Appelle-moi dès que t'as 2 heures à perdre. C'est une prostituée. Elle vend son corps. Oh, je devais être out tout à l'heure, j'avais même pas fermé la porte. T'inquiète, moi je me sens très in. Attends. Hey, faisons ça dans le confort, d'accord? Viens dans ma chambre. Quand ma femme s'en va en vacances, j'adore. Faut pas t'exciter comme ça, chérie. On a tout le temps, n'oublie pas que tu viens de payer pour 1 heure, alors sois cool. Je coule pour 1 heure. Attends, laisse-moi faire. J'adore déshabiller les hommes. Ah. Ouais, vas-y. Ah ouais. Ah. Ah oui, chérie. Ouais, encore. Mélanie! Mélanie, tout est prêt? Tu sais parler aux femmes, toi. Et t'es un super coup. Et toi, tu sais parler aux hommes, chérie. C'est gentil, merci. Et je sais même pas où a lieu cette petite fête. Oh. C'est une catastrophe.
catastrophe. Comment je vais pouvoir lui expliquer ça? Vous êtes là? Oui, Patrick. Je suis là. Oh, je suis vraiment désolée. Oh, non, non, non. C'était juste pour savoir si tout allait bien. J'avais peur qu'il vous soit arrivé quelque chose. J'avais fait les cookies, j'ai été faire les courses au supermarché. Ma voiture ne démarrait plus et personne n'a voulu m'aider. Les parents avaient préparé tout un tas de choses et tout s'est bien passé. Très bien passé. J'aimerais tellement que vous me pardonniez. Mais je n'ai absolument rien à vous pardonner. Pour m'excuser, j'aimerais bien que vous disiez oui. Bon, d'accord, c'est oui. Alors, si vous le voulez bien, je vous invite à dîner à la maison jeudi soir. Bon, j'accepte l'invitation. Jeudi soir à 19h. À 19h. Je suis tellement désolée. Non, il faut pas. Bonsoir. Tiens, Patrick, qu'est-ce que tu fais samedi soir? Samedi soir, j'ai rien de prévu, pourquoi? J'ai avec une bande de copains voir ACDC en concert. Ça te brancherait d'y aller? ACDC? ouais, pourquoi pas, ça peut être sympa. Super, je passerai te prendre, à là. D'accord. Espèce de garce! Tu peux te prostituer avec tous les hommes que tu veux, mais pas avec mon Patrick! Non! Elle va dégager. Fille de joie. Bonjour. Salut, Vénus. Je rêve, elle veut m'expulser. Si elle veut la guerre, elle va l'avoir, la bourrique. J'arrive. Et dites, vous ne connaissez pas les droits qu'ont les locataires, chère logeuse? Je vous ai demandé de partir, mademoiselle. Je viens de téléphoner à un avocat de mes amis et vous n'avez aucune raison légale de me virer. Et vous avez mentionné à votre ami avocat que vous avez transformé cet immeuble en maison close? Si j'appelle la police, je suis certaine qu'ils vont... Qu'est-ce que c'est que ça? C'est Patrick, non? Vous pouvez mater dans son appart? Mais pourquoi? Oh non, c'est pas vrai. Vous avez un gros faible pour lui et il est au courant que vous... Vous allez partir d'ici en vitesse. Alors là, dans le genre perverse, je crois que vous êtes un sacré cas. Vous êtes une obsédée sexuelle, hein? Vous allez partir immédiatement. Taisez-vous, on va faire un deal. Vous allez me foutre la paix et moi, je vous foutrai la paix. Et je veux mon canapé demain, ok, capiche? Ah, Seigneur, cette petite roulure qui s'amuse à détruire les couples mariés. Ça, c'est ce qu'on appelle un cas d'urgence. Tyson, ouais. Je suis Mélanie, la propriétaire de Venice. Elle est avec un type qui est complètement dingue. Va téléphoner aux flics. Il vaut mieux éviter la police, j'ai pas envie qu'ils puissent penser... Ouais, vous avez peut-être raison. Vous comprenez? Bon, bougez pas, j'arrive tout de suite. D'accord. Quel genre de canapé vous voulez que je vous achète? Je peux voir? Eh ben oui, entrez. Je commençais à en avoir marre de ce vieux truc. J'aimerais bien en avoir un qui puisse aller dans l'angle. Non! Dire que de si gentilles filles sont parfois poussées à faire de telles choses.
J'adore faire le ménage quand ça s'impose. Commissariat de police, je vous écoute. Il vient de se passer une chose horrible dans un appartement en face du mien. Envoyez des policiers tout de suite. Gardez votre calme, je vous passe un inspecteur, ne quittez pas. Je vous remercie. Vous savez ce qui a bien pu se passer, inspecteur? Cette petite frappe lui a donné un coup de chandelier et elle l'a abattu pour se défendre. Essayez d'oublier cette histoire parce que malheureusement, on ne peut plus rien faire pour eux. Je vais essayer. Inspecteur, j'ai déjà fait ma déposition, mais j'aurais voulu vous parler à propos de quelque chose. Enfin, à propos de quelqu'un. Est-ce que ça va? Oui, oui. J'en ai parlé à votre collègue qui m'a dit de vous voir. Mélanie, c'est Patrick. Oh, Patrick! Vous vous sentez bien? Je viens juste d'apprendre la terrible nouvelle. C'est vraiment affreux, cette histoire. Oh oui, serrez-moi. Vous voulez quelque chose? Je veux bien un thé. D'accord, je vous en prépare un. J'ai beau demander un peu partout, il n'y a aucune trace d'elle nulle part. Oui, alors il va falloir que vous vous adressiez au service des personnes disparues. Ils pourront faire une enquête. Mais ça va prendre combien de temps? Ah, ça prend le temps que ça prend. Je suis désolé, Mélanie, mais il va falloir que j'y aille. Ah. J'ai une épreuve d'espagnol à réviser. Vous vous sentez mieux maintenant? Je me sens très bien quand vous êtes là. Ça va aller, merci. Je vais pouvoir me recycler comme garde du corps après ça. Je vous conseille de dormir un peu, d'accord? Ah oui, d'accord. Au fait, vous n'oubliez pas pour demain soir. Ouais, demain soir. C'est ça. J'espère que vous avez bon appétit. À bientôt, mon amour. À très bientôt. Oh. C'était le fauteuil de Justine. J'aimerais savoir, quand l'audience aura lieu, ce sera donc moi contre ces types. Génie. Ce sera eux contre nous deux. Tu ne vas pas craquer maintenant, hein? Ouais, j'espère. J'ai fait les boutiques et je me suis acheté un truc atroce. Juste pour le tribunal. Moche, mais ça fait vachement sérieux. Bon, l'audience est à 12h. Je serai pas là avant 11h30. On va donc revoir ce que tu dois leur dire. Oh, t'inquiète pas, j'ai bien appris ma leçon. Alors, si tu fais ce que je t'ai dit, demain à cette heure-ci, ton fils retrouvera sa mère. Ah. Bonsoir. Un petit présent pour mon hôte. Je l'ai ouverte pour que le vin chambre plus vite. Ah, c'est une excellente idée. Moi aussi, j'ai un petit cadeau pour vous. Oh, qu'est-ce que c'est? C'est un porte-bonheur cajun. C'est un dîner à thème, en quelque sorte. Qu'est-ce que c'est que ce parfum? Ça me rappelle quelque chose. Oh, c'est... de l'extrait de lavande, j'adore. C'est aussi le parfum que Lise aime bien. J'espère que vous avez faim parce que je vous ai préparé un petit festin digne du plus copieux des Mardi Gras. Mardi Gras? Mardi Gras. Le Mardi Gras, c'est au printemps. Mais je me sentais d'humeur printanière. Alors pour ce soir, j'ai préparé une soupe de crustacés avec des galettes de maïs, ensuite des crevettes accompagnées d'un mélange riz haricots et pour le dessert, des beignets. Vous n'avez préparé que des choses que j'adore. Alors, ou vous êtes une sorcière, ou vous êtes originaire de Louisiane. Ah non, je ne connais pas la Nouvelle-Orléans. Et vous? Oui, j'y suis allé souvent. C'est d'ailleurs là-bas que j'ai rencontré Lise. Le meilleur week-end de ma vie. Patrick, portons un toast. Mélanie Dade, bien que nous nous connaissions à peine, je crois que nous allons devenir... des amis pour longtemps. À mon tour, je voudrais porter un toast.
à Patrick Forman. Nous nous connaissons à peine, mais depuis le premier moment où je vous ai rencontré, j'ai ressenti qu'un avenir absolument merveilleux allait se dessiner pour nous deux. Vous êtes une femme unique. Oui, vraiment. J'admire votre gentillesse, votre esprit charitable, et je suis très fier de vous avoir pour ami. Oh. Mais Patrick, il y a bien plus que cela entre nous, et bien plus qu'entre n'importe qui. Je comprends pas. Ce qui nous lie tous les deux est plus profond qu'une simple amitié. Mélanie, je ne vois pas du tout, mais pas du tout, vous voulez en venir. Nous sommes des âmes sœurs, Patrick. Vous comme moi, nous avons dans le cœur ce désir de générosité. Nous sommes faits pour nous entendre. Faits pour nous entendre? Mélanie... Je crois que vous vous faites de fausses idées sur mes sentiments. En dehors de notre amitié, je n'éprouve rien d'autre pour vous. Excusez ma sincérité, mais c'est la stricte vérité. Pourquoi dites-vous de telles choses? J'ai remarqué votre façon de me regarder. Je suis une femme et je sais ce que ça veut dire. Si mon attitude vous a fait croire quoi que ce soit, je vous prie de m'excuser. C'est parce que Lise est plus jolie et plus jeune que moi? Mais c'est une droguée, Patrick. Vous êtes une femme très séduisante, mais avec Lise, j'ai de véritables affinités. C'est de l'histoire ancienne, vos affinités avec elle. Mais pourquoi vous dites ça? Parce que les paumés ne côtoient que des paumés, c'en est une. Vous n'êtes pas comme vous ça, savez vous quoi? Êtes différent. Vous ne connaissez vraiment pas Lise. Ce dîner était une mauvaise idée, je préfère en rester là. Non, Patrick, croyez-moi, nous sommes faits pour vivre ensemble. Ce n'est que de l'amitié, et jamais il n'y aura autre chose entre vous et moi, je suis désolée. Non, Patrick! Oh. Non, Patrick, une fois que tu me connaîtras, tu changeras d'avis, mon chéri. Chère Madame Dad, enfin je voulais dire chère Mélanie, j'ai fait un joli gigot d'agneau à la broche avec une gelée à la menthe et pour le dessert un pudding. Alors j'ai pensé que vous pourriez venir chez moi à la bonne franquette, vous en payer une tranche. J'ai déjà un petit dîner de prévu avec Monsieur Gérard, je vous remercie. J'ai aussi un merveilleux petit vin de Madère que j'aimerais volontiers vous faire goûter avec un autre soir, je vous remercie. Ça doit vouloir dire non. Tu as soif, chérie? Ah, je suis sûre que oui. Mais tu ne cries pas, autrement je te le remets tout de suite. Pourquoi vous faites ça, Mélanie? Répondez-moi. Chut, il faut boire. Allez, bois, bois, mon chéri, bois. Toi et moi, on ne fait plus qu'un. Un couple uni pour l'éternité. Qui va élever ses enfants avec amour et le sens des valeurs de la vie? Rien ne désunira un couple que le Seigneur a consacré. Rien ni personne. Lise, Mélanie, je suis avec Lise. Non, tu ne l'es plus. Mais de quoi vous parlez? J'ai été obligée d'abréger ses souffrances. Qu'est-ce que vous lui avez fait? Qu'est-ce que vous avez fait, Mélanie? Je vous tuerai si vous lui avez fait... Il faut te détendre maintenant, les somnifères vont faire effet. Relax, laisse-toi aller. Je serai toujours près de toi, toujours près de toi. Allez, dors bien, fais de beaux rêves, mon chéri. Mon cher et défunt mari, sera notre témoin de mariage.
Alors, on commence. Bon, Mélanie Dad, parfaitement saine de corps et d'esprit. Acceptez-vous devant notre Seigneur de prendre pour époux spirituel Patrick Forman, ceci pour le meilleur et pour le pire, jusqu'à ce que la mort vous sépare. Oui, je le veux, oui, je le veux, oui, je le veux. À toi, tu remets juste la tête pour dire oui. Au fond de ton cœur, tu me dis oui. Oh, Patrick. Je me sens heureuse. Je me sens comblée. Dire que maintenant nous ne faisons plus qu'un, enfin unis par le mariage, époux et femme. Oh, Patrick. Je remercie le Seigneur. J'ai toujours rêvé de cette nuit de noces. Tu me promets d'être gentil? Je t'aime, mon Bonjour, chérie. J'ai quelque chose pour toi. Je te l'apporte tout de suite. Et ensuite, tu iras faire un brin de toilette. Oh, je suis désolée, Ralston. Tu n'as rien à faire dans la chambre des jeunes mariés. Où est passée cette foutue télécommande? Ah! Madame Mélanie Leroy vient d'être longuement interrogée sur les circonstances suspectes qui auraient provoqué la mort de son mari hier soir. Eh ben moi, je vais téléphoner à l'inspecteur. Je la trouve louche, cette bonne femme. Tu t'es endormi comme une souche avant le dessert, mais aujourd'hui, on va le manger. Je vais t'enlever ça, mais attention, je ne veux pas t'entendre crier, ou alors je te le remets, d'accord? Mélanie, vous devez me relâcher. Mes proches vont se demander où je suis passé. Vous risquez de gros ennuis si vous me séquestrez. On sera jamais séparés si la police le sait. Vous avez pensé à ça? Réfléchissez. Non, personne ne va s'inquiéter. Et puis le temps passe, on t'oubliera très vite. Non. Il est vraiment très facile de te faire disparaître et de te garder dans mon appartement. Alors tu seras tout à moi. Non, vous pouvez pas continuer. Non, calme-toi. Qu'est-ce qu'il a, ce réfrigérateur? Pourquoi il marche pas? Oui, allô? Pepper, mon réfrigérateur est en panne. Patrick? Patrick, j'espère que tu es en route. Si t'es pas arrivé dans un quart d'heure, je sais pas ce que je vais faire. Patrick, sans toi, je pourrais jamais me défendre toute seule. Me laisse pas tomber.
Vous en avez pour combien de temps à réparer ce bon dieu de frigo? Madame, j'en sais foutrement rien. Il faut d'abord que je voie ce qu'il a. Mais si ça vous dérange pas, j'aimerais que vous évitiez d'employer ce genre de jurons blasphématoires en ma présence. Merci. Ça fait des années que disait à Justine qu'il fallait investir dans l'électroménager. Tous ces appareils doivent dater de la dernière guerre. Excusez-moi. Bonjour, vous désiriez un renseignement? Oui, bonjour madame. Je m'excuse, mais j'ai chez moi des invités qui se sont couchés tard hier soir et je voudrais éviter de les réveiller. Je sais que les meurtres de vos locataires vous ont perturbé, mais je suis là pour tout à fait autre chose. J'aimerais vous poser des questions sur la disparition de mademoiselle Justine Welch. Sa disparition? C'est quoi cette histoire? Je l'ai eu au téléphone hier soir. Je vais vous donner son numéro. Attendez. Je sais qui a dû vous parler de Justine. Il s'agit sûrement du gars de la maintenance. Ce type était absolument dingue de mademoiselle Welch. C'est pourquoi elle a préféré déménager. Pepper McAllen n'arrêtait pas de faire des avances à cette pauvre fille. Son téléphone, je peux l'avoir? Je vous le donne tout de suite. Permettez. Oh non de Dieu, mais c'est quoi ce bordel? Monsieur Foreman. Oh, je savais bien que cette femme, elle avait un petit grain, je savais. Vous inquiétez pas, je vais vous libérer. Je me dépêche. Calmez-vous, je vais vous détacher. Non. Attendez, ça va vous faire mal, mais je vais l'enlever d'un coup sec. Ça vous fera moins mal que ça. Les curieux, moi, je les punis. Je reviens, mon petit chéri. Mes invités ont fait une telle fiesta que j'arrive pas à remettre la main sur son numéro. Si vous voulez me donner votre carte, je vous appellerai en fin de journée. Oui, j'aimerais bien, chère madame. Un coup de fil à cette jeune femme ferait cesser toutes ces rumeurs. Et je pourrais classer l'affaire. Les rumeurs, on sait ce que c'est. Plus tard. Vous arrivez à pic. Vous voulez bien m'aider à descendre cette malle en bas? Bien que vous ayez refusé ma petite invitation à dîner, je veux bien vous aider si vous acceptez de prendre un thé avec moi. Avec plaisir. J'aime beaucoup le thé. Vous ne serez pas déçu. Est-ce que vous êtes toujours aussi entreprenant avec les femmes que vous rencontrez? Avec les Américaines seulement. Vous vous conduisez différemment avec les Anglaises? Oh, je ne suis pas anglais, mais de Hong Kong. Vous savez, en fait, j'ai un terrible problème car je voudrais bien avoir une carte verte. Et c'est pourquoi je dois me marier avec une Américaine. Alors vous voulez juste vous marier pour avoir votre carte verte? Ben oui, j'apprécie beaucoup le climat de Los Angeles. Je sens quelque chose qui coule. Et qui coule, vous dites?
oui, c'est quoi? Regardez. Oui, je vois. C'est juste un peu de sang. Non, mais... Mais c'est quoi ce plan d'enfer? Hein? Votre curiosité va vous emmener directement. Adieu! Pardon, je peux vous aider? Oui, je cherche Monsieur Patrick Forman. Je suis la propriétaire, il n'est pas chez lui. Mais qui êtes-vous et qu'est-ce que vous lui voulez? Ah, je m'appelle Ginny Hagen et j'aurais voulu lui parler. Il est parti avec sa voiture tôt ce matin. Ah, ça m'étonnerait, je l'ai vu dehors. Alors, j'en sais rien. J'avais rendez-vous à 11h30 ce matin, mais il n'est pas venu. Et c'est pas le genre de type à vous poser à lapin quand on a besoin de lui. Il est peut-être malade, c'est pour ça que je m'inquiète. Mais vous devez avoir un double, on peut peut-être vérifier. Allons-y, alors, si vous insistez. Moi, je suis sûre qu'il est sorti. C'est pas drôle ce qui lui est arrivé, vous savez. Sa petite amie vient juste de se suicider. Après un tel choc, il a peut-être eu envie de changer d'air. Je peux voir sa chambre? Oui, elle est par ici. Qu'est-ce que ça fait là? C'est pas normal. Il peut pas être parti sans son portefeuille. Ah bah oui, c'est assez étrange, mais je ne sais vraiment pas où il peut être en ce moment. Laissez-lui un message, je le remettrai quand il va rentrer. Je crois qu'on devrait prévenir la police. Ah oui, bien sûr. Ça va? Ça va? Oui. Appelle la police, ok? Oui. Je m'occupe d'elle. Vas-y, allez, dépêche-toi! Posez ce téléphone. Vous avez raison, il est à vous, vous avez raison. Chut, vous êtes une garce et toutes les garces sont des menteuses. Vous mentez. Mélanie! Ah.
Jenny, est-ce que ça va? Moi, oui. Et toi? Ah, ça peut aller. Oh. C'est qui, cette folle dingue? Une femme qui n'a jamais eu de chance. Faut pas en avoir non plus pour tomber sur elle. Au fait, j'étais juste passé de dire que j'avais récupéré Cody. Eh bien, tu vois, tout s'arrange.